soi-même, dispersée en public, même si elle était très présente dans un public prêt à tout. On la voyait pas et elle risquait d'envoyer sous terre soi-même dans sa version publiée avant sa création. Elle n'existait pas car il n'y avait pas de créateur identifié. Le monde du spectacle, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le monde du spectacle. C'est un monde, tout un monde. Les gens se déplacent. Ils vont d'un lieu à un autre. Ils gueulent. Ils n'en peuvent plus, les gens, de gueuler. Ils veulent du spectacle. Et encore du spectacle. Sinon, ça va gueuler. Ça gueulera même durant le spectacle. Ça gueulera et ça fera aussi du spectacle. Les gens gueulent au spectacle. Ils veulent qu'on les rembourse pour aller à un autre spectacle. À un spectacle encore mieux, où on pourra encore mieux gueuler. C'est le drame de tout créateur. D'avoir fait une œuvre et que cette œuvre identifie un auteur, que cette œuvre désigne une façon de faire, un style. C'est le drame de toute la création, car finalement, faire une œuvre, c'est mourir, c'est se donner pour mort. Il activera le gros tas de soi-même en lui-même et le tour sera joué soi-même en tas interactif. C'est ça qui lui parle, c'est ça qui est en jeu dans son gros tas soi-disant même. Car ça parle à son soi, le public. Ça lui remue son gros quant à soi-même. C'est ça qui lui chante, et rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre qui cause à soi-même que le gros tas du même, dans un moi tout public.